dans une voiture, donc ça c'est cool. Et avec moi, Cassandra, dis coucou. Coucou. Aïe. Donc j'ai jeudi soir sur Facebook, on est invité à Cannes pour un gala de charité avec Adrina Carambeu. Et j'ai prévu de vous emmener avec moi aujourd'hui pour vous faire partager ce que je vis. Et là, on est sur la route de Cannes. C'est long et fait chaud. T'imagines qu'on va voir Adrina Carambeu? Waouh. Tu vas lui parler, tu vas lui poser des questions. Allez. Ah, il faut que je vous montre mes chaussures. Elles sont trop belles. Voilà. Non, mais c'est pas. D'accord. Elles sont trop belles. Mais je vais pas marcher avec ça. 20, 15, ah, j'ai pas. Pas. J'ai pas marché avec moi. Moi, je m'y connais pas en. Mais après, il y a la plateforme. Hein, y a la plateforme. Oui, c'est vrai qu'il y a la plateforme. Non, elles sont confortables. C'est juste que dès que tu marches, bah, si t'as pas vraiment l'habitude, c'est horrible. Donc voilà. Donc maintenant, je suis en sandales. Et j'attends juste. D'arriver à Cannes pour mettre ses méga big talons. Ça fait bizarre de voir Cassandra conduire. Oh, Ninou. C'est bizarre, je te conduis partout. Bah oui, mais la première fois ça m'a fait bizarre. Oh bah voilà. Bon bah je vous laisse. Bisous. Là on est à cette plage pour l'événement, on attend Normalement, la 42 pour la conférence de presse. On est genre super méga stressé, enfin moi personnellement, parce que j'ai peur de me traquer avec mes oreilles, mes talons que je vous ai montré tout à l'heure. Ils sont en train de se passer. C'est en toute cohérence et dans la continuité de ce que nous faisons déjà avec notre magazine de luxe caritatif Try Me que nous organisons, récoltons des fonds pour pouvoir concrétiser de projets qu'on pousse. Deux associations, RMC, BFM, Veille, présidente et fondatrice de cette organisation. Nous aiderons à prêter concours à ces jeunes parce que la vue est toujours le sens le plus cher que nous pouvons avoir, et notamment pour l'insertion. Donc après la conférence de presse, Adrina Carambeu a fait un photoshoot avec les directeurs généraux et les membres de l'association caritative. Et là, il va y avoir un petit souci. En fait, Adrina Carambeu s'est coincé le talon dans les planches. Et donc, gentiment, le directeur général d'Atoll a retiré ce beau petit talon qu'elle avait. D'ailleurs, c'était trop canon. Le talon, hein, pas le directeur général. Comme Adriana est la l'égérie d'Atoll, elle portait une très très jolie monture de lunettes en diamant. Et ensuite, pendant de longues, très très longues, très très longues dizaines de minutes, elle a accordé plusieurs interviews à des magazines, à la télé, et est partie poser près de la plage. Ensuite, on a assisté à la performance de l'illusionniste de renommée internationale, Stéphane Leyshon, qui nous a présenté de magnifiques tours de magie. J'étais vraiment impressionnée et je cherche encore comment il a fait en fait. Quand j'étais tout petit, mon grand-père me montrait un truc absolument fascinant avec une cigarette. Moi, je ne fume pas. Et lui, faisait ce truc. Je n'ai jamais compris comment il faisait. Mais juste pour vous ce soir, je peux vous montrer, avec Magali, à quoi ça ressemblait. On y va ? Oui, du bon là-haut, hein ? Ça va, ça se passe bien là-haut? Allumez-moi. Je peux mettre. Je vais mettre plus fort. Allez, on y va. Regarde, tu fais comme moi. Look at what we were and instead.
Vite fait une dernière. J'avais 4 ans, 5 ans, le soir de Noël, je prenais le petit Kleenex et je leur disais, un jour je serai magicien et je ferai la neige. Et à l'époque, toute ma famille m'applaudissait. À l'époque. Mais mon grand-père m'a dit, c'est pas avec un pauvre petit Kleenex. On va avoir de l'eau, il faut de l'eau, du champagne. Je peux vous demander un peu de champagne, s'il vous plaît? Je dois avoir du vent aussi. Un peu de champagne. Allez-y, versez-moi un peu de champagne, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Un peu de champagne. Un peu de champagne. Il va bien gâcher mon final. En même temps, il peut, ça tâche pas. Mais avec un peu de vent et beaucoup d'amour, pour la première fois, j'ai vu la neige. Effectivement, la soirée continue avec un buffet et une tombola avec de super prix. Je vous mettrai toutes les photos sur Facebook, évidemment, pour voir tous les prix à gagner. Non, là, on est à la soirée Martinez. Là, on Évidemment, pour les mineurs. Non, on est professionnel. On est professionnel. Voilà, c'est ça. Alors la soirée est finie et là on a décidé avec Cassandra d'aller